Et pourtant, il s'agit, en prenant en vos termes, de l'un des trois milieux dans lesquels se développe la vie, avec l'air et l'eau. Il s'agit du sol, bien sûr. Nous avons la chance ce soir d'accueillir deux amoureux du sol ou des sols, puisque ceux que l'on appelle parfois les médecins de la Terre ont parcouru et parcourent encore la planète. Ils y creusent des trous afin de comprendre ce qui se passe sous nos pieds et ce que l'on peut encore faire lorsque le constat n'est pas bon, ce qui est malheureusement souvent le cas. Merci à vous d'être présents. Bienvenue à Chloé et Lisa Rodin. Le carbone va partir sous forme de gaz carbonique. Pour vous donner une idée, un labour dégage une tonne de gaz carbonique à l'hectare. Vous voyez, rien que le fait de labourer, vous exposez le sol au soleil, vous minéralisez par les bactéries et vous perdez votre matière organique. Donc le labour est un instrument de destruction massive des sols. Les engrais chimiques détruisent les sols parce qu'ils brûlent aussi la matière organique en favorisant les bactéries. Et ce que nous observons dans notre laboratoire, c'est la disparition des champignons dans les sols agricoles. Les champignons ont disparu, il n'y a plus. Moi, je me souviens, gamin, chez mon grand-père qui était agriculteur, il y avait des champignons plein les prairies. On allait ramasser les rosées des prés. Vous en trouvez plus du tout. Les champignons ont disparu de l'agriculture parce qu'on a mis trop d'azote. On a trop labouré, trop... et l'irrigation fait la même chose. L'irrigation minéralise aussi la matière organique. Ce qui fait qu'un pays comme la France, entre 1950 et maintenant, est passé de 4% de matière organique à moins de 2%. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire? Quelles sont en tout cas vos préconisations et les solutions concrètes qui peuvent inverser la tendance ou, pour reprendre vos termes, quitter l'agronomie réductrice pour une agrologie qui redonnerait au sol la place qu'il mérite? Donc cette notion d'agrologie, est-ce que c'est la solution ou une partie de la réponse qu'on peut apporter? Alors, c'est pas qu'une partie pour nous, c'est... L'agronomie, c'est l'homme qui impose sa loi au sol, et l'agrologie, c'est le sol qui impose sa loi à l'homme. Donc ça, c'est la grosse différence. Donc la première chose pour nous qui est importante, c'est ce que disait Claude tout à l'heure, c'est la notion de vocation des sols. C'est impossible de faire croire, et c'est ce qu'on fait croire dans plein de choses, pas que dans le sol, c'est qu'avec de l'irrigation, d'une solution nutritive, et bon, peut-être du soleil, mais tout ce genre de choses, on peut faire pousser tout, n'importe où, et c'est une part de réalité, puisque dans les serres, vous n'avez même plus besoin de sol. On fait pousser des tomates sur de la vermiculite, on n'est même plus, ou sur un substrat de sol, on n'est plus sur de la terre. Mais ça, d'abord, c'est complètement immoral, puisque ce n'est pas adaptable à l'humanité, du terroir. Donc on parlait de carottes montaines, de fraises de Plougasset, du port de Paris, et la France était un verger par rapport à ça. Donc pour les maraîchers, on va faire ça. Pour les céréaliers, on va aller au-delà. On a parlé du labour. Et bien pour nous, le labour, c'est quelque chose qui était peut-être nécessaire autrefois, mais qui n'est absolument plus maintenant. On peut faire une culture qui s'appelle le semi-direct sous couvert. Alors expliquez-nous en quoi ça. Alors ça, c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est pas un petit peu compliqué. C'est une technique qui est très très compliquée, qui est très peu suivie en Europe. Alors on ne sait pas pourquoi. La plupart du temps, beaucoup d'agriculteurs disent chez nous ça ne peut pas marcher parce qu'on a trop de soleil, parce qu'il pleut, parce qu'on n'a pas ceci, parce qu'on n'a pas cela. Nous, en 2000, j'ai emmené des agriculteurs au Brésil, puisque c'est un pays qui fait énormément de semi-directs sous couvert, pour leur faire comprendre qu'en fait, dans des pays dits en voie de développement, ben, ils utilisaient des techniques. Alors, en quoi ça consiste? Bah, déjà, on ne va plus labourer. Donc, après un blé, par exemple, l'agriculteur va récupérer les épis. Donc, effectivement, il faut que la moissonneuse-batteuse, elle prenne que le dessus pour laisser les pailles. Et immédiatement, dans les pailles, avec un semoir à disque, donc là, c'est un outil particulier, l'agriculteur va mettre un couvert. Un couvert qui va être soit ça peut être du sorgho, soit des mélanges de couverts avec tournesol. Maintenant, les agriculteurs utilisent au moins 6 plantes dedans. Il y a de la lentille, il y a du tournesol, il y a des radis. Donc, ils font ce mélange. Ce mélange va pousser grâce à l'humidité qui reste, puisqu'on fait ça tout de suite derrière la moisson. Il va y avoir une humidité, donc ça va pousser. Ce qui fait que le sol ne sera toujours couvert, et c'est le drame du labour. C'est que quand vous laissez votre sol à nu, c'est comme vous. Je parlais tout à l'heure de la peau. Quand il fait très chaud, vous vous couvrez. Soit vous mettez de la crème, soit vous mettez un vêtement parce que ça brûle. Eh bien, le soleil fait exactement la même chose sur la peau
de la terre, ça tue la faune, ça tue les collemboles, ça tue les acariens. Donc ce couvert va mettre ce sol à l'ombre, ces collemboles à l'ombre, ils continueront à travailler. Après, quand vous allez faire votre semence d'hiver ou de printemps, vous allez utiliser ce qu'on appelle un rouleau faca. Donc c'est un rouleau qui a des lames, qui va broyer ce couvert. Ou si on est dans les zones du nord, bah souvent les couverts, certains couverts gèlent, donc ils ne vont pas être gênants pour la culture d'après. Et toujours avec le même outil, ce semoir à disque, vous allez semer directement dans le couvert eh bien, votre plant, votre graine que vous voudrez cultiver après. Alors c'est extrêmement compliqué. C'est quand vous faites un labour, vous avez raté votre labour, bah vous retournez, vous allez pouvoir le refaire. Quand vous faites du semi-direct sous couvert, vous ne pouvez pas faire de monoculture. Parce qu'il faut diversifier, vous êtes obligé de passer en rotation. Première difficulté pour les agriculteurs, il y a beaucoup d'agriculteurs qui font une rotation sur 2 ans. Hein, ils font blé, maïs ou colza. Donc là, on est obligé d'avoir une rotation. Et vous êtes obligé aussi d'intégrer la rotation de votre couvert. Donc c'est beaucoup plus compliqué, c'est une technique qui est compliquée. Et je pense que dans les lycées agricoles, on n'accompagne pas cette technique, qui est certainement une technique plus qu'innovatrice, parce que quand vous semez avec votre semoir à disque, vous allez mettre l'engrais en localisé, donc vous n'en mettez pas sur toute la parcelle, donc diminution des engrais. Vous allez moins intervenir puisque vous n'aurez plus un tracteur très imposant, mais vous n'avez plus de charrue, vous n'avez plus de décompacteur, vous n'avez plus la herse pour briser. Vous avez votre tracteur, votre semoir à disque et la moissonneuse batteuse. Vous n'avez que ça. Donc économie de fuel. Les agriculteurs qui sont passés là-dedans ont énormément diminué le fuel. Et puis au niveau de la planète, Claude vous a dit qu'un labour c'est une tonne, vous dégagez une tonne de CO2 par hectare. Quand vous faites du semi-direct, vous stockez 3 tonnes, entre 3 et 4 tonnes de CO2 à l'hectare. Pourquoi ? Parce que vous augmentez la matière organique dans votre sol grâce à ce couvert. Donc en fait, on a une balance de entre 3 et 4 tonnes de CO2. Il y a des études qui démontrent que si tous les agriculteurs de la planète faisaient du semi-direct sous couvert, on diminuerait de 40% les émissions de CO2. Donc vous voyez qu'on peut, mais c'est des techniques très compliquées à mettre en place. On a des chiffres pour savoir en France combien d'agriculteurs sont passés à cette technique de semi-direct sous couvert. Alors il y en a 1200 sur 300 000, donc c'est pas mal. Encore très anecdotique. Un petit peu de marge. Un peu de marge. Il y a par contre beaucoup d'agriculteurs qui sont passés en TCS, ce qui n'a rien à voir avec le semi-direct sous couvert. Le TCS, qui s'appelle technique culturelle simplifiée, consiste à travailler avec des instruments qui travaillent très superficiellement, voilà, qui ne l'abouvent pas, qui ne retournent pas. Voilà. Alors ça, le TCS, je dirais par exemple le blé, une plante comme le blé en France est majoritairement installée maintenant en TCS, sans labour. Mais alors le problème du TCS, c'est qu'il est plus consommateur de pesticides, plus consommateur d'énergie, puisque c'est souvent des instruments rotatifs qui consomment beaucoup de fuel. Donc c'est quand même sur le plan énergétique, c'est pas intéressant le TCS. Hein. Par contre, c'est souvent, pour les agriculteurs qui ont vraiment très peur de passer au semi-direct, souvent on les fait passer en TCS, et puis une fois qu'ils se rendent compte que finalement le labour c'est pas indispensable, on arrive psychologiquement à les faire passer plus facilement au semi-direct sous couvert. Très difficile de faire passer un agriculteur directement du labour au semi-direct. Donc souvent la partie TCS va l'aider psychologiquement. Ça prend psychologique. Et puis aussi peut-être de formation, et ça va nous permettre de faire le lien directement avec votre voisin. On va s'arrêter là pour l'instant parce qu'on va poursuivre après, mais je pense que vous avez forcément envie de réagir, Jean-Claude Guichawa. Donc vous enseignez dans ce lycée agricole, on imagine bien que ces propos vous concernent de près. Peut-être d'abord une première réaction générale avec le micro pour bien qu'on vous entende. Prenez le micro parce qu'on va pas vous entendre. J'ai écouté attentivement, j'ai même pris quelques notes. Globalement, moi, le discours qui est tenu me convient. On n'entend pas. L'idéal, c'est de le coller sur le menton. Voilà. Donc, globalement, le discours tenu, moi, me convient. Il y a peut-être quelques petits détails, mais pour moi, c'est vraiment du détail. Ce que je voudrais dire, moi, de mon expérience, alors, j'ai vu certainement moins de sol que monsieur et madame Bourguignon, j'ai jamais rencontré un sol complètement mort. On trouve toujours un minimum de vie, alors on peut considérer qu'elle est insuffisante, hein, mais j'ai jamais trouvé un sol complètement mort en France. J'ai travaillé beaucoup en Champagne notamment, où on
on a les grands céréaliers français qui sont présents. Voilà, ça c'était une première réaction. Là, on a construit l'extraordinaire cathédrale de Reims parce que c'était une terre fertile qui épaisse et toute cette matière organique est partie dans les rivières. Ce que vous voyez à l'heure actuelle en Europe, c'est une terre qui a été profondément dégradée. Alors dans le bassin parisien où il y a 10 mètres de limon, ça n'a pas eu de conséquences. Mais nous habitons le plateau de Langres, par exemple, c'est que Langres au Moyen-Âge était le premier évêché de France. Mais parce qu'à l'époque, dans le plateau de Langres, il y avait 1,50 m de terre. Maintenant, il en reste 25 cm. Et maintenant, pour vivre sur le plateau de Langres, il faut 100 hectares en céréales, sinon vous n'en sortez pas. Ouais, donc c'est comme des terres qui ont été beaucoup épuisées par le labour. Voilà, mais pas totalement mort pour rejoindre ce que vous disiez. Totalement mort, mais épuisé. Mais épuisé, voilà. Alors, moi, je voudrais juste revenir quand vous dites en Champagne, on va dire à l'agonie. Mais quand vous avez des sols qui ont des seuils de labour où vous ne pouvez pas rentrer au pic dedans, monsieur, vous n'avez peut-être pas vu ça, mais nous, on en a vu souvent. Quand vous avez une activité biologique qui est à peine décelable au colorimètre, quand vous n'avez plus du tout de faune, plus de collemboles, plus d'acariens, plus de vers de terre, pour moi, c'est difficile de dire qu'on est dans une terre qui est, on va dire, à l'agonie. Et nous en avons beaucoup. Non, pour vous répondre, moi, je n'ai jamais vu ça, je ne dis pas que ça n'existe pas. Il faut que vous ayez fait un petit voyage en lycée et sur des terrains extérieurs. Par exemple ? Par exemple, la mise en place du projet de réhabilitation de la faune sauvage en partenariat avec l'école vétérinaire. Voilà, après, c'est à chacun de proposer ses projets et d'apporter sa part au collectif. Et puis à l'extérieur de l'établissement ? À l'extérieur, des partenariats avec des maisons de retraite pour la relation intergénération autour de la mise en place de jardins. Du jardinage, en général. Et puis auprès des plus jeunes aussi, dans auprès des classes. Auprès des plus jeunes, notamment des projets de sensibilisation qui sont en cours, là, pour aller parler à des collégiens qui pensent que quand c'est bio et que ça vient de la terre, c'est dégueulasse. Histoire d'aller leur expliquer que ça ne pousse pas dans des barquettes en plastique. Merci. Pourquoi vous avez choisi de prendre cette place ? À quelle conviction personnelle cela fait-il écho, peut-être ? Je pense que c'est parce que depuis un peu petit, on m'a sensibilisé à ça, au développement durable et puis à l'écologie. De pouvoir faire ce que je pouvais à mon échelle, voilà. Donc j'ai trouvé ça super qu'au sein de l'établissement, on propose une structure pour pouvoir m'engager et mettre en place mes idées. Justement, en réaction à ce que vous avez entendu, à la fois de la part de Claude Elidia Bourguignon et de votre ancien enseignant, qu'est-ce que vous pensez de ces techniques alternatives ? C'est-à-dire que moi je suis pour une agriculture biologique, donc les produits phytosanitaires, non. Voilà. Après, le labour, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, puisque je pense que c'est pas indispensable, notamment dans les productions où je veux me tourner, en ovins. Oui, parce qu'il faut expliquer que depuis l'âge de 2 ans, vous avez un rêve et je viens vous le faire partager. Depuis l'âge de 2 ans, je veux devenir berger. Ça s'est aujourd'hui tourné vers une production ovine, plus précisément. Voilà, parce que on évolue. Le fait est que je veux produire de l'ovin en bio. Je n'ai pas encore décidé en viande ou en fromage. Ça viendra, mais aujourd'hui, le labour, je ne pense pas que ce soit quelque chose de nécessaire. Je pense plus se tourner, notamment vers, pour désherber, comme vous disiez, vers des choses comme la herse rotative. Voilà. Après, du travail moins profond. Voilà. Donc vous avez lu les livres Non, je ne m'en vanterai pas de les avoir lus, mais un petit peu documenté sur le sujet. D'accord. Un petit mot, un message ce soir à l'occasion de cette table ronde sur la biodiversité à la structures qu'on met à notre disposition, comme les éco-responsables au sein du lycée, pour faire avancer les choses, porter ses projets et puis ses convictions à l'extérieur et au sein du lycée, enfin au sein de nos établissements. Merci et merci d'être présent sur cette table ronde. Des petits pois, des patates, et donc j'utilisais le labour. Et je vois pas comment on va passer de la charrue après une prairie comme ça pour remettre des carottes. Alors, a-t-on une... Peut-être pas tellement ce que vous avez envie de faire. Mécaniquement, je veux dire, si vous voulez détruire une prairie, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Hein. Donc sinon, effectivement, comme vous avez dit, vous labourez. Alors le problème du labour, pourquoi c'est... Alors déjà, ce que vous pouvez faire de bien dans le labour, vous retirez la rasette, déjà. C'est-à-dire qu'au lieu de faire... ce qui se passe quand vous prenez de l'herbe et que vous la mettez la tête en bas,
vous avez provoqué une anaérobiose, c'est-à-dire que vous avez fait une fermentation anaérobique à l'intérieur du sol. Pourquoi on fermente anaérobiquement? C'est tout simple, les microbes ont une énergie biochimique tellement forte, ils ont ce qu'on appelle une forte demande biologique en oxygène, que le simple fait de retourner de la matière organique, vous avez créé de l'anaérobiose. C'est-à-dire que l'oxygène ne va pas arriver assez vite jusqu'à votre air, vous allez faire de la putréfaction. Et ça, c'est jamais bon parce que vous développez des microbes anaérobiques qui produisent de la NH4, de l'H2S, des composés toxiques. Donc déjà, si vous pouvez faire un labour dressé, c'est déjà beaucoup mieux, parce que au moins, vous laissez l'oxygène rentrer le long de votre prairie que vous détruisez, et déjà, ça décomposera plus en présence d'oxygène que la tête en bas. Sinon, c'est ce que je vous dis, il n'y a qu'une destruction au mois d'août en été, avec au moins deux passages croisés d'actisol pour scalper l'herbe. Hein. Alors j'ai fait pâturer le plus possible, le plus ras possible, déjà. Mais c'est vrai que j'avais fait le labour fin février, début mars. Ah, donc là, vous créez de l'anaérobiose. Ça, c'est un des problèmes. C'est un des gros problèmes. L'enfouissement de la matière organique se termine toujours par l'anaérobiose. Donc, ça veut dire qu'il y a une grosse partie de la matière organique que vous avez retournée qui ne fera jamais d'humus. Impossible de faire de l'humus. C'est pour ça, si vous voyez qu'on a une situation qui est étrange en France. En 1900, on faisait 2 tonnes de paille à l'hectare. Maintenant, on fait plutôt 5-6 tonnes de paille. Je parle en céréales. Et nous sommes passés de 4% de matière organique à 2%. On peut se dire c'est absurde, j'ai multiplié presque par 3 mon volume de paille et j'ai divisé par 2 ma matière organique. Mais parce qu'autrefois, les anciens, ils ne retournaient pas la paille au fond à 25 cm de profondeur. Ils la laissaient en contact avec l'oxygène parce qu'ils travaillaient avec le cheval. Donc les champignons se développaient et fabriquaient de l'humus. Comme maintenant nous enfouissons les pailles profondément à 25 cm, il n'y a plus de production d'humus. Enfin, je pense que si vous êtes agriculteur, vous avez enfoncé des piquets dans un sol et puis vous avez eu la curiosité de les sortir. Vous avez vu que le piquet est attaqué sur la surface. Et puis que la pointe est strictement intacte. Il n'y a aucun champignon anaérobique sur Terre. Heureusement pour la ville de Venise, elle repose sur des piliers de bois. Si les champignons étaient anaérobiques, la ville de Venise serait déjà sous l'eau. Donc vous mettez votre paille là où le piquet ne se décompose jamais, donc vous ne faites jamais d'humus. Si vous voulez faire de l'humus, laissez se décomposer votre matière organique à la surface. La plus grosse bêtise, c'est, je vois des gens, par exemple, qui plantent un arbre, ils enfouissent du fumier. Il ne faut jamais enfouir de matière organique dans un sol. C'est la première grave erreur agronomique qu'on puisse faire. Essayez de la détruire superficiellement. Merci beaucoup. Que sur un sol acide, avec énormément de... qui sera très très sableux. Donc les argilo-calcaires sont des sols qui sont plus... qui acceptent plus d'avoir été, entre guillemets, matraqués. Ça dépend aussi du type de culture que vous avez. Si vous faites de la pomme de terre et des betteraves, nous, on travaille avec des agriculteurs, ça fait 20 ans, l'activité biologique ne remonte pas et le problème du sol ne remonte pas. Mais quand l'état n'est pas, on dit qu'en 5 ans, on arrive à remonter l'activité biologique, à remettre de la faune et le sol recommence à aller mieux. Mais ça dépend, il n'y a pas de règle. Vous pouvez une culture de pommes de terre en 5 ans, vous n'allez pas remettre votre sol debout. Merci. Ne mettez jamais d'oxyde, que ce soit une chaux magnésienne ou une chaux calcique, ce sont des produits extrêmement toxiques. Hein. On les utilisait dans les épidémies de lèpre ou de peste pour recouvrir les cadavres et les désinfecter. On utilise la chaux pour désinfecter les murs des tables. Donc jamais de chaux dans un sol parce que vous détruisez toute votre microflore. Il faut mettre du calcaire. Le problème, c'est que le mot chaulage, il recouvre aussi le mot calcaire, qui est complètement différent. Le calcaire, c'est de la roche broyée. Et ça, le calcaire, sur un sol, c'est très bien. Hein. C'est de la craie, c'est un calcaire qui a été broyé. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un calcaire, si vous voulez, qui va de la granulométrie fine à une granulométrie assez grossière. Comme ça, ça vous permet de distribuer du calcaire dans le temps, hein, plutôt que d'en mettre du trop fin qui risque de partir dans la nappe. Bah, vous avez une répartition régulière de votre calcaire dans le temps. Et donc, ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle. Ça, c'est que le mauvais, c'est que le terme chaulage recouvre aussi les apports de calcaire. On devrait dire, oui, apporter du calcaire à un sol, mais pas de la chaux, hein, jamais de chaux dans un sol. Moi, je voulais aussi rajouter quelque chose, parce qu'il y a, des fois, chez les agriculteurs, il y a une confusion dans ce que faisaient les anciens. Parce que les anciens, en fait, ils marnaient. Ils apportaient des marnes calcaires. Et des fois, dans l'esprit, ben, il y a cette confusion. Les agriculteurs disent j'ai chaulé et en fait ils pensent à ces apports d'argile. Parce que les anciens utilisaient les argiles pour enrichir leur sol avec la matière organique. Comme ces argiles étaient calcaires et qu'ils avaient leur tas de fumier devant qu'ils mettaient sur le sol ou qu'ils avaient devant leur ferme, eh bien en hiver ils mettaient le fumier et ces argiles et en fait ils attendaient que l'hiver fasse. Avec le gel, casse ces argiles et après, avec un râteau,
En fait, il les mélangeait. Et il faisait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le complexe argilo-humide. Parce que l'argile avait ce calcium qui retenait aussi la matière organique. Donc les anciens amendaient, marnaient les sols. Et on a gardé un terme dur. Quand on dit « je marne », c'est parce que les anciens marnaient. Et de temps en temps, il y a cette confusion parce que ces marnes étaient calcaires. Donc des fois, les gens nous disent « j'ai chaulé ». Mais non, en fait, il y en a qui ne chaulent pas et qui rajoutent des marnes. Donc il n'est plus juste de dire « j'ai marné ». Oui, juste un petit mot, je suis assez d'accord avec ce qui vient de dire. Le souci de formation, parce que ce n'est pas du tout les mêmes gestions de sol, c'est sur 2 jours. Donc il y a une journée théorique où on va vous expliquer comment fonctionne le sol et comment il faut le gérer. Puis ensuite, une journée pratique, et on va sur le terrain, on va voir des agriculteurs, par exemple, en culture terrestre, on va aller voir des céréaliers qui font du semis direct sous couvert, on va faire des profils chez eux, on va faire un profil chez un habitant qui est par la boue, puis on va regarder la faune, les profondeurs d'enracinement, etc. Si on est en vigne, si on est en culture pérenne, on va voir pareil, on va voir des vignerons qui sont, par exemple, en biodynamie ou en biologie, puis après ça se termine, en général, ça c'est sympa, ça se termine par une dégustation, et on fait déguster les vins en fonction du terroir. Ça, c'est pour montrer comment le sol donne un goût particulier. Ça, c'est pour accueillir les futurs candidats. Ça, c'est pour les futurs candidats. Donc ça, c'est une formation qui se fait, c'est surtout formation pour adultes. Nous sommes centre de formation, donc c'est financé par le VVA, c'est remboursé par le VVA. Et puis sinon, le problème, c'est que par contre, on ne peut pas accueillir, on n'a pas les moyens financiers pour accueillir des stagiaires, parce qu'on est tout le temps sur le terrain. Et on n'a pas les moyens d'emmener quelqu'un avec nous, lui payer l'hôtel, le restaurant, parce qu'on est une toute petite structure, on n'a pas d'aide étatique. Donc ça, on ne peut pas emmener de stagiaires. On aimerait bien pouvoir emmener des stagiaires, mais on n'a pas les moyens financiers de le faire. Sinon, c'est sûr qu'on a quand même fait maintenant plus de 7000 analyses de sol à travers le monde, depuis les sols équatoriaux jusqu'au sol de l'altiplano, de tout ce que vous imaginez. En fait, des sols, on a vu énormément. Et c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir transmettre tout ce qu'on a vu, parce qu'on a quand même, on mesure 70 facteurs sur un sol, hein, puisqu'on fait de l'analyse physique, chimique et biologique. Et tout ça, c'est en ordinateur, et donc c'est pour ça qu'on arrive maintenant, si vous voulez, on a suffisamment de données pour vous dire, on analyse un sol, on vous dit ça c'est pour du vin blanc, ça c'est pour du vin rouge, parce que c'est corrélé à des observations de terrain, si vous voulez, pourquoi la Bourgogne met du blanc à cet endroit-là, du rouge à cet endroit, pourquoi Bordeaux met du blanc là et du rouge, c'est à force d'étudier tout ça. Il y a un gros moteur de recherche à créer, oui. Et vous êtes que tous les deux Non, nous sommes, notre fils nous a rejoint, il a fini sa thèse, c'est la France n'a pas voulu de sa thèse, donc il a fait sa thèse de microbiologie des sols en Nouvelle-Zélande, il est rentré, donc on est 3 chercheurs au laboratoire, plus un technicien qui est en même temps agriculteur, justement parce que comme il est passé au semis direct sous couvert, ça lui libère du temps, il peut être mi-temps au laboratoire, mi-temps sur sa ferme, et puis une secrétaire, donc nous sommes 5, vous voyez, on a une toute petite structure. Toujours pour vous, c'est pas court comme. Oui, alors le problème, c'est comment on fait la formation pour adultes. Les gens, quand on leur propose plus longtemps, ils nous disent oui, mais moi professionnellement, je peux pas m'arrêter plus de 2 jours. Quoi. Donc c'est plus une adaptation aux gens qui viennent, que ce soit des techniciens de chambre, soit des agriculteurs. Plus de 2 jours, c'est souvent un peu difficile pour eux. C'est pour ça qu'on. Mais c'est vrai que 2 jours, c'est très court. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Enfin, vous voyez quand même la faune au microscope, vous voyez quand même beaucoup de choses hein, que vous n'avez pas l'habitude de voir, si vous voulez, parce qu'on est quand même très, très bien équipé. On vous apprend à caractériser les argiles, on vous apprend quand même des trucs qui sont fondamentaux dans la connaissance du sol. D'accord, merci. Ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'il n'existe pas de porosité physique dans un sol. Ce n'est pas les machines qui font la porosité dans un sol, c'est la faune. La porosité physique d'une machine est une porosité instable. D'ailleurs, les gens qui ont des limons, par exemple, ils savent très bien qu'il ne faut pas labourer un limon en automne, parce que quand arrivera le printemps, le limon se sera entièrement tassé. Il n'existe pas de porosité physique. La porosité, elle est biologique. Si vous avez un sol qui est bien vivant, qui a une grosse densité de colamboles, d'acariens, de vers de terre, vous aurez de la porosité sur bien plus de 20 cm. Vous aurez de la porosité sur 1 mètre, 1 mètre 50. Donc, pourquoi vous avez besoin d'enfoncer vos poireaux, d'autant plus que c'est une plante mycorhizée, que la mycorhize a besoin d'oxygène. Donc, c'est pas la peine de les enfoncer profondément, vos poireaux. C'est vraiment une plante complètement mycorhizée, comme l'oignon. Donc, ne le mettez pas trop profond. Merci. Je demande à voir. À tester. On a une question au fond de la salle. Et c'est du matériel moderne pour travailler avec les chevaux. Alors, on entend par moderne, c'est-à-dire que c'est des outils qui sont très ergonomiques. Qui nous permet de travailler en bidon, c'est-à-dire qu'on forme des buttes
dans lesquels on fait éventuellement ajouter des matières organiques et qu'on peut en fait éclater pour reformer des buts en les décalant. Ce qui fait qu'à aucun moment on laboure. Et je tenais à vous faire part que cette année j'ai pratiqué 80% de mon jardin au cheval. Parce que j'ai eu une révolution un petit peu, c'est que j'ai commencé à travailler seul avec les chevaux, alors qu'il m'a fallu 3 ans pour arriver à cette maîtrise. Et les résultats étaient extraordinaires cette année. J'ai vraiment un jardin qui est... Et puis c'est extrêmement difficile parce que à l'automne, j'ai fait quelques pratiques au cultirato, enfin classique, sur des salades par exemple. Et il me restait des buts que j'avais travaillé avec le cheval. Et des salades sur but, des salades sur planche avec taillage classique, les salades sur but étaient bien plus énormes que les autres. Simplement parce que autour, en fait, la terre n'est pas passée. Et donc, c'est ce que je voulais vous demander. C'est de savoir si, parce que nous, à l'association Promata, on dit beaucoup que les vibrations du sol faites par les gros tracteurs dégradent les sols. Et c'est vrai que partout où je vais, là où il y a des marchés avec les tracteurs, il y a plein d'endroits, c'est compacté, c'est toujours un problème récurrent. Et les quelques fermes où j'ai pu aller, qui sont 100% fractionnelles depuis longtemps, à chaque fois, ce qui m'a toujours impressionné, c'est de marcher sur un sol souple. Et un sol vraiment vivant, quoi. Et c'est ce que je retrouve un petit peu chez moi maintenant. Et donc je voulais avoir votre avis sur l'impact en fait des vibrations des tracteurs dans le sol. Et donc c'est une information importante parce que je pourrais en reparler à Promata dimanche. Quoi. Alors merci d'écouter. Merci déjà pour votre témoignage. Et on va écouter tout de suite votre réponse. Alors effectivement, les tracteurs, les machines font des tassements. Hein, c'est un peu quand vous êtes en voiture, vous avez des problèmes de grip, c'est le système du béton, vous allez faire du béton. Donc en fait, toutes les machines tassent les sols. Et plus vous allez avoir d'éléments fins, plus en fait, eh bien, vous allez avoir ces tassements. Et pour illustrer ça, on a travaillé chez un vigneron qui en fait travaille au cheval, et il avait beaucoup de mal. À faire passer ça à ces tractoristes. Parce qu'en fait, les tractoristes ont dit, c'est terminé, je ne vais plus avoir de travail si je mets le cheval. Et en fait, on a fait une expérience avec trois. Il y avait donc une partie qui était faite au cheval, une autre au chenillard. Donc, c'est des tracteurs avec des chenilles hein, qui sont beaucoup moins, qui vibrent beaucoup moins. Et puis, un enjambeur et un tracteur. Et donc, le vigneron nous a donné pendant 3 ans, à l'aveugle, les sols pour qu'on fasse les activités biologiques. Donc, on ne savait pas quel type de sol c'était. Eh bien, au bout de 3 ans, on nous a dit ce qu'il en était. Eh bien, sur le cheval, on est parti sur le même sol au démarrage. Hein. Eh bien, le sol fait au cheval avait 20% d'activité biologique de plus que celui qui était fait au tracteur. La même fertilisation, exactement la même chose. Et le chenillard s'approchait très très près du cheval. Donc en fait, on voit effectivement, il y a moins pour nous, il y a aussi moins de tassement. Et puis la souplesse du sol, après, bien sûr, on les connaissait les sols, on ne savait pas qui était dans les sacs. Mais par contre, le sol fait au tracteur, qui travaillait au tracteur, était beaucoup, beaucoup plus dur, pas d'oxygène, moins de faune, donc moins d'activité biologique. Et pour le vigneron, il a pu faire comprendre aux personnes qui travaillaient qu'en fait, il y avait vraiment une importance de retravailler au cheval parce que les sols étaient plus vivants et que pour la vigne, c'était beaucoup mieux. Preuve à l'appui. Oui, on a une remise, a sorti dans le G-Sol. Donc un énorme dossier sur le problème des sols, nous bétonnons à l'heure actuelle un département tous les 7 ans. Donc on n'a qu'à faire ce calcul, ce n'est pas que Nantes. Toutes les zones, que ce soit Roissy a été construit sur 33 mètres de limon, tous nos parkings sont en général, quand il y a développement sur les terres agricoles. Il y a une vraie position, c'est quelque chose de politique, et ce n'est pas que la France, c'est en Europe partout. Donc ce n'est pas lié qu'à cet aéroport, il faudra reprendre. On parle de malnutrition dans le monde, mais toutes les terres agricoles, les meilleures dans les pays développés, c'est celles-là qui sont bétonnées. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de faire des parkings, c'est plus facile de creuser. Et ça, c'est pas propre à vous, c'est propre à l'Europe, à tous les pays civilisés qui, en fait, bétonnent leurs meilleures parcelles cultivables. Et c'est vrai que
tant qu'on n'aura pas ça en tête, et que c'est le sol qui nous nourrit, et que sans sol, de toute façon, et on le voit, les sols sont de plus en plus pauvres, on a 1 milliard de personnes, maintenant 980 000 personnes, c'est un peu moins, qui souffrent de malnutrition sur la planète, et on bétonne des sols qui pourraient être cultivés. Et ça, c'est pas propre à l'aéroport de Nantes. Merci, en tout cas, pour votre réponse. Regardeur, la moitié des agriculteurs étaient partis en disant « je suis pas venu ici pour entendre des conneries ». Donc maintenant, on fait la même réunion, tout le monde reste. Donc si, on voit qu'il y a une nette sensibilisation. Je crois que cette sensibilisation, elle est liée, on parle beaucoup du Grenelle de l'environnement, mais je pense que dans la salle, vous êtes tous concernés. Je pense qu'il y a un problème de maladie, de problème médical, et ça interpelle de plus en plus de consommateurs et de citoyens, et donc des agriculteurs, puisque les agriculteurs sont touchés par pas mal de maladies. Et ça, c'est un facteur tout à fait innovant, c'est-à-dire que quand on est dans des conférences, comme vous êtes, bon, peut-être là ce soir, il n'y a pas de questions, mais très très souvent, ces questions-là reviennent. Pourquoi il y a tant de maladies? Pourquoi de plus en plus de gens sont atteints de cancer? Pourquoi les scléroses en pâle? Pourquoi? Alors, c'est les allergies. Bien entendu, il y a peut-être d'autres facteurs, mais il y en a qui sont liés à l'utilisation massive de ces produits de traitement, hein, qui, c'est dénoncé par d'autres personnes que nous. Et je pense que ça interpelle énormément de consommateurs, parce que ça nous touche nous, mais ça va toucher nos enfants, nos petits-enfants. Et quelque part, eh bien, on est transmissible. Et je crois que là, ça a vraiment changé par rapport à ça. Et pour donner une idée, en 1900, je crois que c'est 82-83, professeur Maté, qui était le grand cancérologue français, avait fait une étude et avait montré que 45% des cancers étaient dus à l'alimentation, pesticides et compagnie. Il a immédiatement, on a dit qu'il était devenu débile, qu'il avait un ramollissement du cerveau. Bon, maintenant, ça y est, ça sort partout. On sait que 45% des cancers sont dus à l'alimentation. Donc, vous voyez, il a fallu 30 ans pour accepter une vérité qui était connue scientifiquement, mais on étouffait tout, parce que vous voyez bien, il y avait des lobbies qui empêchaient qu'on parle de ça. Mais vous savez, c'est ce que disait Roosevelt, vous pouvez vous mentir pendant toute une vie à un individu, vous ne pourrez pas mentir pendant toute une vie à toute une population. Il y a un petit peu d'espoir, alors. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Oui, pardon. Bonsoir. Et tous les lycées agricoles, vous savez très bien que le ministère de l'Agriculture, enfin les lycées, tous les collèges agricoles font partie du ministère de l'Agriculture, et que dans le ministère de l'Agriculture, vous avez un certain nombre de lobbying qui s'appellent Monsanto et Champagne, qui sont des freins. Donc vous êtes étonnés des freins, mais je peux vous assurer que nous, c'est un énorme frein et qu'on a énormément de problèmes avec ces gens-là. C'est tout. Développer des techniques, l'âne, qu'est-ce qu'on vous a dit? On va retourner en arrière. Quand nous, on nous dit les bourguignons, on ne va quand même pas retourner à l'âge de pierre. Mais qu'est-ce que croient les gens? Est-ce que ça passerait pas? Moi, je le vois au quotidien avec les jeunes qu'on peut accompagner sur TechnicLin et les enseignants. On a assez faim, mais on a quand même des marges de manœuvre. On a des marges de manœuvre, mais qui sont à titre un peu individuelles. Et j'ai l'impression qu'il manque un certain accompagnement aussi et des enseignants. Et des structures. Alors, comment on peut remédier à ça? Par exemple, bon, moi je suis un fossile vivant parce que j'ai reçu l'enseignante de la dernière chaire de microbiologie des sols agricoles qui était à l'agro, qui a été fermée en 1986. Il faut savoir que depuis 1986, vous n'avez pas un seul agro en France qui peut faire une chaire de microbiologie des sols agricoles. Toutes les chaires de microbiologie agricole ont été supprimées dans le monde sous la pression des grands groupes. Hein. Vous savez que dans l'enseignement et dans la recherche, vous avez les représentants des firmes phytosanitaires qui décident « non, ça, il ne faut pas trop le développer ». Ils ont fait fermer toutes les chaires de microbiologie agricole dans le monde. Alors, il reste vous pouvez faire une petite unité de valeur en microbiologie des sols sauvages à Nancy, mais si vous voulez faire une formation comme moi j'ai eue en microbiologie des sols agricoles, c'est fini. D'ailleurs, moi, quand j'ai fait cette formation, c'était intéressant, c'était le moment où Jacques Monod devenait directeur de la Pasteur. Première chose qu'il a fait, il a supprimé le laboratoire de microbiologie des sols de l'Institut Pasteur, sous la pression des lobbies. Parce que si on se met à faire travailler les microbes du sol, ils travaillent gratuitement, vous ne pouvez pas les breveter, pas de pognon à faire avec les microbes du sol. Donc, qu'est-ce qu'ils font là? En ce moment, ils vous racontent qu'on va faire fixer de l'azote au blé. Mais attendez, on a des légumineuses qui font ça depuis des millions d'années, qui font très très bien. Il suffit de remettre de la luzerne en France, on n'aura pas besoin d'importer du soja de Corée. Mais là, vous heurtez les marchands de soja. Et c'est un immense business contre lequel vous vous heurtez. Donc, c'est très compliqué de revenir à une agriculture
à de l'agronomie, c'est-à-dire, c'est quoi l'agronomie? Rotation, association, c'est ça la base de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Que de la monoculture? Il y a des drames de la Bretagne avec ses porcs, ils ne s'en sortent pas. Il y a plus de porcs que de bretons en Bretagne. Et un porc, ça chie comme trois hommes. Imaginez les problèmes de... les problèmes du vivant. Il faut revenir au bon sens. Il faut arrêter, là, il y a eu des projets de merdondu qui vont emmener les lisiers de porc dans la Beauce. On va faire ces merdondus à travers le pays. Il faut arrêter, quoi. Il faut répartir intelligemment l'élevage, l'agriculture et la forêt, l'équilibre agro-silvo-pastoral. Il n'y a pas d'agriculture durable sans l'équilibre agro-silvo, c'était la haie qui servait à retenir le bétail. Et on alternait la prairie et le champ, parce que pendant la prairie, la matière organique remontait, les animaux faisaient leurs excréments, on avait du fumier. Qu'est-ce qu'on a inventé? On a mis les bêtes sur calcotis, on a maintenant du lisier. Le lisier, c'est une catastrophe écologique, parce que vous faites des dégagements ammoniacaux, des dégagements de méthane, et vous détruisez l'atmosphère. Il suffirait tout simplement de remettre les bêtes sur la paille. Moi, gamin, je me souviens, en rentrant les étables, ça sentait bon, une étable. Oui. Maintenant, vous rentrez dans l'élevage industriel, ça pue. Et quand vous avez de la mauvaise odeur, c'est que les bêtes sont malades. Nous ne faisons plus d'élevage, nous faisons de la gestion de pathologies animales. Nous ne faisons plus d'élevage, de la culture en Europe. Nous faisons de la gestion de pathologies végétales. Mais ce n'est pas ça l'agriculture. L'agriculture, c'est élever des plantes saines et des animaux sains. Alors pour nous déjà, le bois rénal fragmenté, c'est pas quelque chose que l'on peut utiliser tous les ans, c'est pas un compost. Donc ça, c'est pour nous, c'est très important. Le bois rénal fragmenté, il a été, on en a le premier qui en a parlé, c'est professeur Lemieux au Canada, qui a restauré, donc j'ai bien dit le mot, restauré des sols en Afrique grâce à ce bois rénal fragmenté. Donc qu'est-ce que c'est? C'est les rameaux des feuillus qui sont broyés sur une épaisseur, il ne faut pas que ce soit trop gros, la taille, le diamètre d'un balai, et c'est des brins à peu près de 8 cm. Pourquoi ça marche aussi bien? C'est en fait le bois raméal fragmenté est très riche en lignine, et donc on va développer les champignons, c'est les précurseurs des champignons, et les champignons après feront du compost. Mais quand on entend, et ça on le voit chez les maraîchers, qui veulent utiliser ça tous les ans, pour nous c'est quelque chose qui n'est pas... qui n'est pas logique, parce que déjà la faune et les champignons, en un an, ne peuvent pas absorber, transformer ce bois en... parce qu'ils le transforment en fait en humus, en compost. Donc c'est une technique de restauration de sol. Je crois qu'il faut vraiment bien prendre ça. Alors il y a des gens qui l'utilisent en disant c'est un paillage. Et si c'est un paillage, il ne faut pas du tout qu'il soit assimilé, on l'utilise comme de la paille. Mais normalement, ce bois mal fragmenté, il est pour ça. Vous allez relancer les champignons, la faune va revenir, et à ce moment-là, vous allez avoir de l'aération, et quand votre sol va être bien, ben vous travaillez qu'avec du compost. Mais on voit trop, à l'heure actuelle, de personnes qui en mettent tous les ans. Et il n'y a aucune étude, donc là, nous, on met un veto, enfin, ou un... comment dire, on voudrait voir si pendant 10 ans ou 15 ans, les maraîchers mettent tous les ans du bois raméal fragmenté le remue, qu'est-ce que ça va donner au niveau des sols? Personne ne connaît le résultat. Par contre, la restauration, on l'a utilisé dans des cas pour des restaurations, ça marche super bien. On n'a pas trouvé mieux que le bois raméal fragmenté pour restaurer les sols. Et ça va très vite. Par contre, on va très très vite, on l'a utilisé chez des vignerons où il y avait, mais alors, plus de faune, le sol c'était de la pierre, et on a mis du bois raméal fragmenté en épaisseur sur 8 cm, et bien en un an, on a remis de la faune, et le sol, après on a fait l'étude en 3 ans, avec bois raméal fragmenté et sans bois raméal fragmenté, parce que c'est comme ça qu'on compare, et bien il n'y avait vraiment pas photo. Donc le sol, on avait remis des champignons, il y avait de nouveau de la faune sous bois raméal fragmenté, alors qu'il n'y en avait pas. Donc pour ça, nous, c'est une technique de restauration. Mais il faut pas confondre bois raméal fragmenté et compost. Ça n'a rien à voir. En plus, quand vous enfouissez, alors là, on a un petit différent avec certaines personnes qui disent « Ah ben le bois raméal fragmenté, on peut l'incorporer en surface ». Pour nous, Claude vous a dit, et moi je dis pareil, on ne peut pas mettre de matière organique dans le sol. Dès que vous l'incorporez trop profond, vous allez faire de l'anaérobiose, les champignons ne pourront pas décomposer,
parce que les champignons sont aérobies, donc le bois raméal fragmenté, il faut qu'il soit dessus, il ne faut jamais qu'il soit enfoui. Donc voilà pour ça. Et puis pour l'agroforesterie, bon, on commence à travailler, mais c'est des techniques qui sont assez anciennes, hein, c'est pas nouveau. Et il y a une véritable symbiose, une vraie association. Il n'y a pas de diminution de rendement quand vous faites une association arbres et céréales. Par contre, c'est vrai qu'il faut, les arbres, il faut qu'ils soient mis pour pas qu'il y ait trop d'ombre. Il faut qu'il y ait, les arbres sont taillés, c'est pas on met des arbres puis on attend que ça se passe. Il y a une vraie gestion de cette agroforesterie. Et ça marche très bien et ça ne diminue pas les rendements. Voilà pour les réponses. Juste un petit mot, il me semble qu'il y a une expérimentation en agroforesterie déjà depuis pas mal d'années à l'INRA, du côté d'Avignon. Et a priori, effectivement, ça marche plutôt bien. Il y a des changements en Suisse qui montrent qu'il y a beaucoup de... Dans ces tisanes, il y a ce qu'on appelle les héliciteurs, c'est-à-dire des composés qui vont produire des réactions de résistance de la plante. Par exemple, on connaît des plantes qui vont protéger la vigne quand on fait une tisane avec. Ça fait une fermeture d'estomac, mais il n'y a pas de germination du germe du spore de mildiou. On protège la vigne contre le mildiou. C'est tout un champ de recherche à l'heure actuelle. Parce que vous savez que les plantes, c'est le monde de la production des molécules. Hein. C'est d'ailleurs une grande partie de nos molécules pharmaceutiques viennent du monde des plantes. Et on se rend compte que dans ce monde des plantes, il y a énormément de possibilités pour soigner nos plantes cultivées. Donc ça, déjà l'épidémie l'avait trouvé, orties, etc. Mais je pense qu'il y a encore, il y a 350 000 espèces de plantes, il y a encore de quoi en trouver sur Terre. Bien qu'elle sera la Sainte-Catherine, donc elle sera le moment effectivement de planter les arbres. Alors, jamais de plante, si vous achetez un arbre qui a un pot avec de la matière organique, vous retirez toute cette matière organique, vous lavez bien votre arbre dans l'eau pour retirer toute cette matière organique, pour ne pas créer de l'anaérobiose sur les racines. Par contre, ce que vous allez faire, c'est qu'après vous allez passer dans un bac dans lequel vous aurez dilué de l'argile. Vous faites exactement l'inverse. Au lieu de mettre de la matière organique qui fait de l'anaérobiose, vous allez lui mettre de l'argile qui, elle, ne provoque pas l'anaérobiose. Et vous allez planter votre arbre tranquillement, ce que les anciens appelaient praliner. D'accord ? Donc vous mettez de l'argile, vous plantez votre arbre, vous remettez, et la matière organique, vous allez la mettre au-dessus de l'arbre. D'accord ? Et en particulier, on vient de parler du BRF, vous n'hésitez pas, vous mettez 8 cm de BRF sur le dessus de votre. Donc une couche de compost d'abord, 8 cm de BRF, votre arbre, il est cool. Là, vous l'avez mis dans la bonne situation. D'accord, merci. Oui, notre question. Alors. C'est pas nécessaire. Par contre, arroser, si une fois, juste à la plantation, c'est tout. C'est juste pour faire tenir l'argile le long des racines. Bon, alors, vous pouvez passer l'arrosage si vous pralinez comme on vous l'a indiqué. Vous mettez déjà de l'argile très humide qui enrobe bien vos racines. Mais sinon, c'est quand même mieux d'arroser parce que ça permet à l'arbre d'être. C'est ça qui, voilà, c'est l'eau qui va servir de tassement. Mais non, c'est pas la peine de les crabouiller avec les pieds, les pauvres racines, hein, laissez-les tranquilles. Bon, normalement, à l'idéal, on ne plante pas les arbres, les sels. Mais bon, là, c'est une autre tradition. Il faut savoir greffer, hélas, on a perdu cette pratique. Il faut que ce soit aéré, c'est ça? Toujours. Oui. Il faut que ce soit aéré. C'est vraiment indispensable. Plus un sol est tassé, moins il y a d'oxygène. Vos racines vont remonter. C'est le problème de la vigne à l'heure actuelle. Pourquoi les vignes souffrent tant et qu'on demande autant que tous les vignerons, même dans les endroits... L'olivier, on va prendre aussi cette plante qui n'a jamais été irriguée. Bah, tout le monde demande d'irrigation. Pourquoi ? Parce que quand un sol est tassé, les racines ne peuvent pas descendre. Et quand elles vont descendre, elles vont chercher l'eau, mais elles sont aussi dans l'humidité, elles sont dans la fraîcheur du sol. Elles remontent à la surface comme elles n'ont pas d'oxygène. Pour avoir de l'oxygène, elles remontent à la surface. Et née étant à la surface, elle souffre tout de suite. Dès qu'il se met à faire chaud, bah, les racines ont de la chaleur. Et donc, les vignerons ou les arboriculteurs irriguent pour donner de la fraîcheur et de l'eau aux racines superficielles. Et ça, c'est plus vous allez compacter, on voit d'ailleurs, les gens le disent, quand ils arrachent une vigne, autrefois c'était hyper compliqué. Quand ils arrachaient la vigne, nous on voit des vieilles vignes qui sont encore, qu'on arrache, mais que, dont les vignerons les ont bien entretenues. Mais bon, elles sont vieilles, il faut les arracher. Je vous assure que vous avez des pivots, vous avez des racines extrêmement en profondeur. Maintenant, des vignes qui ont 25 ans,
Vous prenez le pied, vous le posez sur la table, toutes les racines sont horizontales ou elles remontent à la surface. Et ça, on ne peut pas faire un produit durable et un produit de qualité. Donc plus vous tassez, plus moins ça vivra vieux, plus vous serez obligé d'irriguer, plus vous serez obligé d'apporter des choses. Donc ne pas tasser. On avait une autre réaction. Oui. On ne peut pas mettre la même chose sur tous les sols. Quoi. Bon, essayez toujours le BRF, hein. Vous verrez, ça déjà, ça vous fera peut-être du bien, mais je ne sais pas quel est le problème de votre sol, pourquoi il est pauvre à cet endroit-là, est-ce qu'il a été retourné, est-ce qu'il a été défoncé par... C'était un immeuble à la place, ça. Ah oui, c'est un peu logique. Hein. Il a été bétonné, donc c'est moins fertile. Hein. Alors, on a deux questions ou réactions. Bonjour. Bonsoir. Je suis plus au cas au Japon avec le problème des enrobages de graines à l'argile. Elle a été redéfinie par Bill Mollison en Australie. Alors faites attention parce que la permaculture de Bill Mollison, c'est vraiment une permaculture développée pour régions extrêmement sèches. L'Australie est le continent le plus désertifié du monde. Donc il y a des pratiques dans la trique de Mollison. Si vous le faites sous climat humide de Nantes, vous allez avoir des problèmes parce qu'il vous fait stocker beaucoup d'eau. Enfin bon, des choses dont vous n'avez pas besoin ici parce que vous êtes sur un climat qui est agréablement irrigué. Vous n'êtes pas comme en 250 mm d'eau comme en Australie. Hein. Donc il faut prendre les choses en attaquant. Ça s'est vu en Sibérie aussi. Hein. Oui, oui, non, mais il faut savoir adapter à chaque condition climatique en sachant que la déficience de Bill Mollison, elle est vraiment pour milieu désertifié. Hein. Donc, il faut le prendre avec précaution. Mais c'est vrai que la permaculture est une technique extrêmement intéressante. Enfin, futur cas, vous qui travaillez là-dessus, c'est le pralinage. Hein, vous enrobez la graine d'argile, donc elle est protégée de l'attaque des insectes. Et dès qu'il se met à pleuvoir, elle gonfle et elle prend un avantage sur toutes les autres plantes. Hein. Donc lui, Fukuoka, il mélangeait carrément ses légumes, hein, il les mélangeait tout, il mettait tout ensemble, il lançait tout à la main, hein, une fois qu'il avait enrobé. Donc on ramassait en même temps des navets, des radis, des choux, des salades, des fonds. Ça fait un jardin extrêmement varié. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, les parasites, ils ont du mal à se déplacer là-dedans parce qu'ils n'ont pas une rangée de salade à manger ou une rangée de carottes. Il y en a partout, alors ils sont un peu paumés, les prédateurs. C'est une espèce de façon de reprendre la biodiversité naturelle tout en la domestiquant. Je profite de l'occasion pour revenir sur un terme que j'ai lu dans votre ouvrage, la phytosociologie, que j'ai trouvé intéressant. Voilà, vous dites que tout était en même temps, mais cette science-là étudie les relations entre les espèces. Voilà, et donc on apprend ainsi que l'oignon ne s'entend pas du tout avec le haricot, et au contraire, la fraise et l'ail s'entendent très bien. Voilà, je trouvais ça intéressant. Il y a des métiers d'avenir. Voilà, l'ail est exhausteur de goût pour la fraise. Voilà, excusez-moi. Bonsoir, alors, il y a une question que je me pose. Pas dans le supermarché, il faut un train, voilà. Dans nos villes civilisées et au centre très développées. Alors, il y a une solution, c'est finalement de trouver du terrain où on est censé recouvrir le béton de bitume. Alors moi, j'ai une question, savoir si, est-ce que sous le magnifique parking bitumé qu'on a à côté de nous, sur lequel nous sommes, est-ce que si on enlève le bitume, on peut refaire pousser des plantes et on peut redevenir à suffisamment en fait, un sol qui a été recouvert, tout simplement. Oui, on va dire oui. Pour nous, c'est peut-être presque, ça sera long, mais c'est moins quand on a mis juste le béton, mais qu'on n'a pas défoncé le sol. Pour nous, défoncer les sols, comme on voit dans certains endroits, où on perturbe leur sol sur 4 mètres de profondeur pour extraire du caillou, le broyer, pour faire une plus belle porosité, pour mettre de la vigne ou de l'arboriculture, moins chez les céréaliers, mais chez les vignerons, on voit ça. Là, vous avez vraiment détruit votre sol. Et ça sera très long. C'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans. Nous, on voit des sols où les racines ne descendent pas. On a transformé complètement, on a pulvérisé la pierre, enfin les blocs. On a vu des terrains complètement glissés, parce que quand vous retirez les cailloux, c'est comme si vous retiriez votre squelette. On a retiré tous les cailloux, puis on remet la terre dessus, parce que le caillou, c'est gênant pour cultiver, mais c'est dramatique pour le sol. Alors qu'un sol où on a mis du béton, si vous le retirez, je ne sais pas que le lendemain vous allez avoir des légumes, mais en travaillant avec des composts, avec du bois ramable fragmenté, vous pourrez refaire quelque chose. Voilà. Oui. C'est le mot est
dedans, hors sol, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de sol. On fait une culture, c'est une culture qui est extrêmement exigeante en énergie. Hein. On dit que pour faire un kilo de tomate, il faut... une calorie de tomate, il faut 36 calories fossiles. Donc, c'est absolument pas généralisable pour la planète. Donc, pour nous, je pense, Claude et moi, par rapport à notre engagement, aussi une agriculture biologique, une agriculture respectueuse du sol et qui est en vocation avec son sol, c'est une agriculture planétaire. C'est-à-dire que tout le monde pourra se nourrir de la terre dont il est, où il vit. Et on fera pas, les Africains ne feront pas des haricots verts pour nous en hiver, ils mangeront ce qu'ils pourront faire sur leur terre. Donc une agriculture biologique respectueuse des sols en respectant la vocation, c'est une agriculture planétaire. Les gens pourront vivre. Donc l'agriculture hors sol, c'est déjà ça. En plus, ça demande énormément de solutions nutritives. Et les solutions nutritives, elles sont faites exactement par les mêmes boîtes. C'est-à-dire, vous achetez le produit, c'est Monsanto ou ce que vous voudrez, mais tout le monde a la même solution nutritive. Alors que votre tomate ou qui pousse dans votre sol, eh ben, c'est votre sol, c'est votre terroir, elle aura le goût de votre coin. Donc la notion de terroir, donc, pour moi, c'est quelque chose qui n'est absolument pas durable et qui n'est pas applicable à toute la planète. Donc pour moi, la culture hors sol, c'est quelque chose, il faut boycotter les produits hors sol. C'est moins bon. Et si les gens n'ont pas vu, alors peut-être on va dire que c'est des films politiques, mais je vous ou polémiques, excusez-moi, je vous conseille fortement, si vous pouvez voir ce film qui s'appelle Les rançons de la fraise. Maintenant d'ailleurs les choses sont en train de changer parce que c'est le vol de drame d'Almeria en Espagne où on a détruit toute cette zone. Ces serres sont en bordure du parc national et comme l'Espagne est ma rentrée dans la CE depuis un moment et qu'elle est obligée d'avoir les mêmes lois, eh bien en fait on est en train de transposer ces serres au Maroc parce que non seulement les plantes sont maltraitées, mais les hommes et les femmes qui travaillent dans ces serres sont très très maltraités, c'est quasiment de l'esclavagisme. Donc je vous conseille fortement de voir ce film, je pense que vous n'achèterez plus jamais des fraises d'Espagne. Heureusement, il a eu la bonne idée de nous appeler avant d'acheter le terrain. Il avait repéré un endroit près de Limoges et c'est impossible de faire du maraîchage dessus. Donc il ne le savait pas. Il pensait qu'on pouvait faire du maraîchage partout. Il y a des sols où vous ne ferez jamais de maraîchage. Donc il y a des sols qui sont incompatibles avec le maraîchage. Ils sont compatibles avec d'autres cultures, mais pas le maraîchage. Lui, il avait eu la bonne idée. Mais parfois, hélas, très souvent, nous sommes appelés, mais c'est trop tard. Ils ont déjà acheté. Ça ne marche pas. Ils sont en train de se ruiner économiquement. C'est dommage. On est appelé par des gens, par exemple, pour planter du vin rouge. Ah, manque de pot, c'est un sol à vin blanc. Évidemment, il n'est pas bon leur vin rouge et puis il ne sera jamais bon. Ils auraient mieux fait de nous appeler avant de planter. Quoi. Et le problème, c'est que les gens, ils croient qu'on peut faire. On leur a fait croire qu'avec les engrais, on faisait n'importe quoi, n'importe quoi. C'est un peu dommage, ils perdent de l'argent. Et si vous n'êtes pas disponible, est-ce qu'on peut se former à cette connaissance du sol? Enfin, vous disiez plus à la microbiologie, mais voilà, est-ce qu'on peut acquérir comme ça cette culture? Et si oui, est-ce qu'il y a des ressources? Déjà, observez votre sol. Vous pouvez regarder votre sol. Si vous avez un sol, quand vous le touchez, et que plutôt d'avoir une structure grumeleuse, hein, une structure ronde, si quand vous prenez votre sol, vous avez l'impression que c'est des structures polyédriques qui sont des structures géométriques, bon ben là, vous savez déjà que votre sol, il a quelques problèmes. Normalement, un sol, quand il est aéré, ça doit être comme du couscous, ça doit être comme de la semoule. Ça, si vous avez un sol comme ça, ben vous êtes déjà, ça peut être très bien. Regardez si, quand vous regardez votre sol, regardez si vous avez de la faune, si vous avez des cloportes, si vous avez des vers de terre, donc la faune qui est visible à l'œil. Ça, c'est des critères qui peuvent déjà vous indiquer, vous la prenez, vous la touchez, si elle vous fait tout de suite un rouleau dans la main, vous allez dire j'ai un sol très argileux, ça va être un sol qui va être difficile à cultiver pour faire du maraîchage, ça sera mieux pour faire de l'arboriculture. Ça, c'est des tests, sentez votre terre, si elle sent bon, c'est déjà un bon point. Si elle pue, bon, vous pouvez le dire, elle est complètement en hydromorphie. Regardez sa couleur. Si vous avez de temps en temps des zones bleutées, c'est que vous avez un sol qui est hydromorphe, qui baigne dans l'eau. Si vous regardez ça à 10 cm et que vous avez des zones comme ça, c'est que votre sol il a un problème d'hydromorphie. C'est-à-dire bon, il n'y a pas assez d'oxygène et la matière organique, votre sol ne vit pas bien.
et il y a ces odeurs de pourriture. Ça, regardez le sol, mais les gens ne regardent plus leur sol. On ne regarde plus ça. Bon, cela dit, c'est vrai que votre question, elle est en fait fondamentale, c'est qu'on ne fait pas d'analyse, enfin, on fait partie de très très rares laboratoires, on fait de l'analyse de sol, et ce laboratoire, c'est l'analyse de terre, ce qui n'a rien à voir. Ça consiste à faire un coup de tarière, on envoie au labo qui n'a jamais vu votre sol de sa vie, qui ne sait même pas où c'est, qui vous fait une liste de NPK. Bon, c'est comme si au lieu d'aller chez le médecin, vous lui envoyez son urine, et puis vous lui dites, qu'est-ce que j'ai ? Il vous dira, vous n'avez pas le diabète, et puis ça s'arrêtera là. Hein, parce qu'il a quand même besoin de vous voir, vous. Bon, ben, un sol, c'est pareil. Alors le problème, c'est qu'effectivement, normalement, on ne peut faire que de l'analyse des sols. Si on veut bien conseiller un agriculteur, il faut aller faire le profil chez lui. Le problème, c'est que comme on a habitué les agriculteurs à avoir juste de l'analyse de terre effectuée comme par hasard par les marchands d'engrais, et comme par hasard ça se termine par des recommandations d'engrais, ben, c'est normal, ils en vendent. Donc on a complètement, si vous voulez, modifié le rapport de l'agriculteur avec son sol. Et lui, pour lui, le sol, c'est simplement un réservoir de NPK. Alors qu'en fait, c'est un patrimoine complexe, vivant, avec un état physique, chimique. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et là, on est les rares fous furieux à s'intéresser au sol comme patrimoine et non pas comme support à engrais. Les rares fous furieux. D'ailleurs, je ne dis pas pour. Dans la partie. Prenez le micro. Les rares fous furieux dans la partie service, au service des agriculteurs, puisque nous, on fournit un conseil. Bon, il y a des fous furieux, il y a des professeurs ou des jeunes qui sont des fous furieux, mais bon, ils n'ont pas les outils forcément pour faire ça. Mais nous, on travaille, on est une structure pas publique, on est privée. Donc nous, on a des cas, mais dans 80% des cas, c'est faut rajouter de l'azote. Si c'est pas de l'azote, faut rajouter de la potasse. Si c'est pas de la potasse, faut rajouter du magnésium. Mais comment on peut dire ça quand on ne sait pas où vont les racines ? Si les racines sont superficielles, oui, là c'est sûr qu'il faut rajouter. Mais si vous avez des racines qui vont en profondeur, eh bien vous avez un garde-manger qui est beaucoup plus grand. Si vous avez des racines qui descendent à 80 cm, ça veut dire que votre plante se nourrit sur 80 cm et non pas 20 cm ou 30 cm le coup de la tarière. Donc ça, c'est du bon sens. Mais dans l'analyse de terre, ça n'est jamais vu. Donc on vous dit, ah ben c'est faible. S'il n'y a pas d'activité biologique, effectivement, il faudra rajouter des nitrates. Mais si vous avez de l'activité biologique, eh ben vous en utiliserez moins. Donc en fait, notre analyse, effectivement, elle coûte certainement plus cher. Mais c'est ce qu'on ne fait pas mettre à l'agriculteur, le vigneron, le maraîcher qui lui fait gagner sa vie. Tandis que ces maisons devraient vous donner l'analyse, vu qu'après, vous allez chez le marchand et vous en mettez un certain paquet sur les épaules. Et ça, ils ne le font pas. Et regardez les résultats, vous verrez, ils sont exprimés en ppm. Partie par million. Demandez à un agriculteur qu'il voit par exemple potasse 150 ppm. Demandez-lui à l'agriculteur, ça représente quoi pour vous 150 ppm ? Bah, il dit, vous voyez, c'est marqué que j'en ai pas assez, il faut que j'en rajoute. Non, mais je vous demande, c'est quoi 150 ppm ? Il en a strictement aucune idée. On fait exprès de lui donner une formule qu'il ne peut pas comprendre. Tandis que nous, on ne lui donne pas 100 ppm, comme nous, on va regarder jusqu'où descend les racines, on va lui donner en kilo-hectare. Quand vous dites à un agriculteur qu'il a 2 tonnes de potasse assimilable à l'hectare, ah ça, il sait très bien qu'il n'y a aucune plante au monde qui a besoin de 2 tonnes. Donc là, vous allez pouvoir lui faire éviter de mettre de la potasse. C'est parce que nous, on lui donne en kilo-hectare. Les analyses de terre, on le donne en ppm. Donc on est sûr de lui vendre un produit, comprenez, même si on n'a pas besoin. C'est ça la force des marchands. À quand un cours d'analyse de terre et de microbiologie des sols, Gilles ? Moi, je trouve que je serais peut-être un peu plus modéré que vous. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on ne veut pas ? Si on veut, on y va. Sinon, ben, on reste dans une société de consommation, une société financiarisée, etc. Et effectivement, dans ce cas-là, l'agriculture biologique ne nourrira pas le monde. Voilà, c'est un autre monde. Il faut juste retirer quand même l'idée qui est une idée fausse qui traîne dans la tête. Déjà, on parle de notre agriculture intensive. Il faut bien distinguer deux choses. L'intensif par la productivité par agriculteur et la productivité par mètre carré agricole. Notre agriculture n'est pas une agriculture à grosse productivité au mètre carré, elle est une agriculture qui a une grande productivité par agriculteur. Par exemple, en Beauce, un agriculteur tout seul peut être capable, s'il est bien équipé, de cultiver tout seul 500 hectares. Par contre, sa productivité au mètre carré est bien plus mauvaise que l'agriculture paysanne. Si vous prenez par exemple le modèle de 1000 pas du paysan mexicain, lui fait un trou avec son bâton à fouiller, il met une graine de maïs, une graine de haricot, fait des lignes comme ça, et ensuite entre, il met des courges. Sur le même mètre carré, il fait du haricot, du maïs et de la courge. Il a une extraordinaire productivité
productivité au mètre carré très supérieure au meilleur champ américain. Par contre, il a une très faible productivité par individu parce qu'il n'existe aucune moissonneuse-batteuse qui ramasse en même temps le haricot, le maïs et la courge. Hein, donc il faut arrêter de dire que celui d'un pays comme le Vietnam, qui nourrit 80 millions d'habitants sur à peu près le tiers de la France, est heureusement pas en agriculture intensive, heureusement en agriculture paysanne, avec des systèmes extraordinairement complexes où toutes les éplucheurs de la maison descendent sur les poules, puis les cochons, puis les poissons dans le lac, etc. Une productivité au mètre carré absolument incroyable. Hein, parce que quand un Vietnamien vit cette année, j'ai fait 15 jours de jachère, ça veut dire que pendant 15 jours, son sol n'a rien produit. Tout le reste de l'année, il a produit tout le temps. Donc vous voyez, ils sont très productifs au mètre carré, pas productifs. Par contre, ils nourrissent peu de personnes. Donc vous voyez, il faut bien distinguer ces notions-là. Et quand on a travaillé donc au Laos sur ces jardins paysans, on a travaillé aussi au Vietnam. En fait, la problématique n'est pas du tout la même que quand on va, si on travaille en Argentine ou même en France. Ces gens-là nous demandent surtout de ne pas industrialiser l'agriculture, c'est-à-dire de maintenir ces paysans, les aider à mieux gérer leur compost ou certaines choses, mais surtout ne pas changer. Parce que si c'est une agriculture productive comme la nôtre, notre modèle, comme ils ont énormément de main-d'œuvre, c'est pour ça aussi que ça marche. Nous, on n'a plus de main-d'œuvre au sol, mais quand vous allez au Laos ou vous allez au Mexique, il y a de la main-d'œuvre. Donc il y a des gens qui sont dans les jardins, les enfants aident le soir. C'est pas du tout la vision de notre agriculture. Et les gens nous disent surtout ne nous déplacez pas ces gens-là. Parce que si vous facilitez, vous industrialisez, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? Donc eux, le but c'est produire peut-être d'autres choses, mais surtout ne pas enlever cette agriculture paysanne. On n'est pas du tout sur les mêmes schémas, c'est pour ça qu'on ne peut pas caler aussi de dire ce que l'on fait en France, c'est la même chose, c'est pour répondre aussi à la personne, la permaculture. Le livre qui est écrit en Australie, ce sont des sols extrêmement particuliers qui n'ont rien à voir avec nos sols. Vous ne pouvez pas caler ce type d'agriculture. Quand on vous dit, les gens nous demandaient, oh, on voudrait faire la terra preta. La terra preta n'est pas adaptable dans nos sols et dans notre climat. Chacun, dans chaque pays, il y a des choses intéressantes, mais pour le pays. Et l'agriculture paysanne, je peux vous assurer, c'est vrai que c'est une agriculture extrêmement productive. Au mètre carré, il n'y a pas un mètre carré de libre. Il faut espérer qu'on ne généralisera pas l'agriculture européenne, puisque l'Europe ne se nourrit pas. Nous sommes les premiers importateurs mondiaux d'aliments. Il n'y a pas de sécurité alimentaire en Europe. Nous importons de la viande, nous importons des légumes, nous ne nourrissons plus les Français. Les Français ne peuvent plus se nourrir. Il faut quand même le savoir, ça. Hein, on fait du blé, on fait du maïs, mais on n'a pas assez de viande, on n'a pas assez de légumes, on n'a pas assez de fruits que nous importons massivement. Si tous les pays commencent à faire comme nous, ils vont importer où les autres? Là, ça va parce qu'on pille le soja d'Argentine, qu'on pille le blé du Canada, etc., qu'on peut vivre. Mais on va pas. Les Chinois là, viennent d'acheter 9% des terres agricoles de l'Ukraine. Parce que les Chinois, ils font la même chose que nous, ils sont en train de s'industrialiser, ils ne se nourrissent plus, les Chinois. Ils sont maintenant les deuxièmes importateurs mondiaux d'aliments. Et ça va durer. Comment ça va s'arrêter, cette histoire? Si tous les pays deviennent importateurs, mais le système va exploser, il va tout simplement exploser. Donc il faut arrêter de généraliser sa agriculture intensive. Il faut que chaque pays retrouve sa sécurité alimentaire. Et ça, c'est un énorme bouleversement agricole. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème de réparation. Des traces de pesticides. Et c'est vrai que le compostage est remarquable. Un des drames que nous avons à l'heure actuelle, c'est que nous faisons nos excréments dans l'eau, les stations d'épuration épurent effectivement la matière organique, mais par contre tout ce qui est pilules, pesticides, tout ça, ça part dans les rivières. Vous savez qu'il y a maintenant des rivières où les poissons ne se reproduisent plus parce qu'il y a trop de pilules, trop d'hormones, et ça transforme les poissons, ils deviennent tous des femelles, et il n'y a plus de mâles pour les féconder. Donc l'avantage du compostage, c'est que par contre, si votre urine, au lieu de partir dans la rivière, part dans le compost, ben, toutes les pilules, toutes les hormones vont être décomposées par les microbes. Les microbes ont un grand pouvoir de décomposition. Bonsoir. Nous, on fait de la lambriculture et du coup, j'avais des questions. C'est très pratique, par exemple, pour décomposer les aliments, etc. Mais ce ne sont pas des lombriques. C'est-à-dire que quand vous allez les mettre dans le sol, ils vont mourir. De toute façon, ils ne sont pas faits pour vivre dans le sol. Ils peuvent vivre. Enfin, ils vont s'enquister, mais ils vont attendre que des excréments lors d'une bouse de vache leur tombent dessus pour pouvoir à nouveau redevenir actifs. Mais ils n'auront pas le rôle du lombric. Lui, le lombric, c'est un anécique, c'est pas du tout un épigé comme Essénia fétida. Lui, le lombric, il fait des allers-retours dans sa galerie tous les jours, il va lui chercher les éléments minéraux du fond, il vous les remonte en surface.
Donc il n'a pas du tout le même boulot. Donc faites attention aux mots lombriculture, il est embêtant, ils ne sont pas des lombriques. Ils sont des Essénias fétida. Bon, c'est intéressant en maraîchage parce que les Essénias fétida secrètent un système qui bloque la vitamine B. C'est pour ça que les paysans empêchaient les poules de manger sur les fumiers. C'est qu'une poule qui mange trop d'Essénias fétida, elle meurt. Avec en rejetant la tête en arrière, en battant des ailes, elle crève. Tuée parce qu'elle a un blocage de sa vitamine B. Par contre, c'est très intéressant en maraîchage, ça vous permet de mettre à fleur plus vite vos fruits. Donc vous aurez des tomates sur le marché avant les autres. Donc le lombric compost est très utilisé en maraîchage pour ça, il permet des mises à fleurs plus précoces. Mais ne le confondez pas, le lombric compost est une des techniques hein, d'évolution du compost pour des usages bien particuliers en maraîchage, mais vous ne mettrez jamais un verre de terre dans le sol avec du lombric compost. Je suis désolée, le temps passe très très vite, on va prendre une dernière et des adultes. Ces animaux qui habitent le sol, en fait, ce côté négatif, ne touche pas un ver de terre, c'est sale, c'est... Alors qu'un ver de terre, c'est aussi propre que nous, hein, c'est ce qu'on dit. Bon, ils vivent dans la terre, mais ils ne sont pas sales. Et en fait, faire intégrer aux enfants, nous, on a de temps en temps des enfants qui viennent, des fois, des petites classes, ou Claude, ou moi, on va dans des écoles et tout, et on leur met un ver de terre dans la main, ou un cloporte qui va, ou la gule qui va faire son... Et il y a des enfants qui sont terrorisés et petit à petit leur dire c'est indispensable et c'est comme ça qu'on va faire changer les choses. Parce que la notion du sol et des habitants du sol, pour beaucoup de gens et pour beaucoup d'adultes, c'est ça. Là. Et bien on terminera sur ce dernier mot. Merci pour la qualité de l'intervention. De vos retours. Une petite séance dédicace est organisée par la librairie Durance. Donc voilà, si vous souhaitez.